Vous ne verrez jamais un riche dire « elle c'est le michto » ou « elle c'est le matérialiste » ou « elle, elle aime le luxe ». Vous ne verrez jamais un riche dire ça. C'est toujours les petits pauvres, toujours les petites princesses, d'accord, qui viennent de naître, qui viennent de découvrir la vie, qui sont en train de dire ça. C'est des princesses qui vivent pour leurs potes, c'est des princesses qui investissent dans leurs potes. Limite, on pourrait croire qu'il y a quelque chose entre eux. C'est très bizarre à comprendre, mais malheureusement, c'est ça. Bon, ça, c'est du shaming de bas étage. Hein. Ça, c'est souvent l'angle préféré des meufs qui n'ont pas d'arguments. Et généralement, elles font ça pour justifier leur michetonnerie. Donc, souvent, elles vont vous attaquer sur votre statut. Soit elles vont sous-entendre que vous êtes gay. Soit elles vont dire que vous êtes un homme princesse parce que vous avez des critères. Donc, elles vont toujours vous rabaisser en tant qu'homme pour toucher votre ego. Voilà. C'est une façon de créer une réaction hein, chez vous. Toujours les mêmes angles d'attaque, hein, c'est-à-dire que dès que vous avez une opinion contraire à la leur, elles vont toujours essayer de vous diaboliser ou de vous marginaliser ou de vous insulter pour justifier un petit peu leur michetonnerie. Voilà, c'est toujours les mêmes angles d'attaque. D'ailleurs, son discours est très similaire aux autres meufs sur qui j'ai fait les vidéos, tu vois. Bon, c'est pareil, hein, elle prend des phrases qu'elle a entendues sur les réseaux sociaux et puis après, elle vous balance une espèce de diarrhée verbale pour se rendre intéressante. C'est toujours pareil. Et puis, elles vont toujours vous sortir ce fameux argument qui est d'ailleurs fallacieux. Oui, c'est un homme riche ne se serait pas plaint de cette manière, alors qu'un homme pauvre, oui, c'est toujours lui qui râle, qui dit que voilà, les meufs sont trop matérialistes, si cela. Mais j'ai envie de lui dire qu'un homme riche, bien portant, intelligent, qui s'est fait de lui-même, tu vois, qui a quand même toute sa conscience, ne va jamais se retourner vers ce type de meuf. Et elles le savent très bien, tu vois, jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'elle n'a pas une valeur ajoutée, tu vois. Elle est comme les autres femmes, elles misent la plupart du temps seulement sur leur physique, et puis elles sont vides. Quand tu vois, même quand tu l'entends parler, elle n'a pas une opinion personnelle. En fait, elle fait que repomper par mimétisme tout ce qu'elle a entendu sur les réseaux sociaux. Parce que c'est à la mode, c'est tendance, tu vois. Il n'y a pas une réflexion de fond. C'est juste, je balance parce que ça fait des vues, comme ce sont des sujets très clivants et très controversés. Donc, elle sait très bien qu'elle va faire un espèce de clivage entre les hommes riches et les hommes pauvres. Et ça, comme je vous ai dit, c'est une façon de prêcher le faux pour avoir le vrai, c'est-à-dire attirer les tchads, hein, généralement ceux qui ont les quatre capitaux, pour en fait faire passer leurs critères féminins comme quelque chose de normal, tu vois. Et les pauvres, en fait, elles les mettent sur le côté. Ben, voilà, parce que elles en ont rien à foutre de ces gars-là, tu vois. C'est pour faire le tri, donc elles font une espèce de tri sélectif, tu vois. C'est toujours les mêmes arguments, voilà. Donc, si vous remarquez bien, elles ne finissent jamais avec les mecs qu'elles désirent. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Elles sont souvent célibataires, mais elles t'apprennent la vie. Tu vois ce que je veux dire? Elles ne maîtrisent même pas leur relation, mais elles essayent de prodiguer des conseils à la gente féminine. Va comprendre, tu vois. Les seuls hommes qui ont de l'argent et qui les approchent de temps en temps, ce sont soit des fouteux, des rappeurs, des influenceurs ou des sugar daddy. Vous voyez? Mais sauf que chacun a ses intérêts. Tu vois, un sugar daddy, lui, ce qu'il veut, c'est de revivre une troisième jeunesse. Tu vois, c'est de prendre des meufs jeunes hein, pour assouvir ses désirs sexuels. Puis basta. Et pour flex aussi, tu vois, pour être bien accompagné. Et ça ne dure jamais parce que de toute façon, le mec, soit il clame savant, tu vois, soit en fait ça, la meuf elle se lasse, tu vois, dès qu'elle a pompé, elle a drainé l'énergie de ce sugar daddy, bah après la relation se termine, quoi. Soit ce sont des fouteux généralement qui passent la plupart de leur temps à chasser des femmes pour jouer, quoi, tu vois. Donc ils font étalage de leur richesse, généralement ils aiment bien flex aussi, donc voilà, ils vont alpaguer un maximum de crasseuses pour se donner un peu ce genre de player, quoi. Voilà, moi, j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais choisir les meufs en fonction de leur physique. Voilà. Ou sinon, ce sont des pigeons, tu vois, qui ont été déconstruits par la gente féminine et qui s'efforcent à prouver que voilà, moi, je suis un mec intéressant parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai des biens matériels. Et comme souvent, ils font des efforts avec une certaine abnégation. Et donc, souvent, les meufs profitent de ces hommes-là. Mais souvent, soit ils n'ont rien en retour, soit ils ne sont pas respectés. Hein. Donc, généralement, ce que les meufs font, c'est qu'elles font des compliments de manière parcimonieuse pour que le mec ait l'impression de dominer ou de gérer la situation alors qu'il ne gère rien du tout.
Et c'est comme ça qu'elles arrivent à leur fin. Mais ça aussi, ça ne dure jamais bien longtemps parce que la passion ne dure pas. Parce qu'après, à un moment donné, il y a justement l'entretien, la sagesse, le respect, la loyauté, la communication. Et généralement, dans ce genre de relation, il n'y a pas tout ça. Et donc, forcément, ça ne finit jamais. Ça se termine toujours plutôt. Voilà. Bon, je sais comment elle va chuter. On va quand même l'écouter, même si bon, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Hein. C'est la même soupe tout le temps et tout le temps. Hein. C'est... Et si vous sortez avec un mec, ça fait longtemps, et que genre maintenant vous commencez à aimer le luxe, forcément, si lui dès le départ vous lui dites pas, parce que moi je suis désolée, quand tu sors avec un mec, tu lui dis le truc de base. Moi quand je parle avec un mec, je lui dis, tu vois, voilà, moi je t'en parle, j'aime le luxe, j'aime qu'on m'offre ceci, j'aime qu'on m'offre cela. Si tu te sens apte à avoir les épaules pour, let's go. Sinon, laisse tomber, reste où t'es. Franchement, les princesses du TikTok, encore une fois, abstenez-vous, d'accord? Je parle pas de vous, je ne vous vise absolument pas, d'accord? Ouais, mais à ce niveau-là, va avoir ton père. La ferme. Vous voyez, elle n'a pas d'argument. Sur le fond, c'est le vide, en fait. Moi, je vous le dis, tout ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, elle n'est pas comme ça dans la vraie vie. Là, ce qu'elle fait là, elle se donne un genre. Elle prêche le faux pour avoir le vrai. Sinon, elle serait directement avec ces hommes-là. Elle ne serait même pas sur TikTok. Quand tu es épanoui dans ta vie, quand tu as une vie qui est quand même soutenue, comme elle essaie de nous le faire croire, tu vois, tu ne fais pas ce genre de choses. Tu n'es pas sur TikTok. Tu es avec ton mari en train de profiter de la vie. Tu n'es pas sur TikTok en train de déblatérer des banalités. Tu vois? Donc, en fait, elle essaye de nous vendre une vie qu'elle n'a pas. Déjà, tout ce qu'elle aime, elle n'est même pas capable de se payer la plupart du temps ses accessoires de luxe, et tous ces trucs-là, toutes ces bêtises-là. Tous ces biens matériels, elle ne les a même pas. Tu vois? Donc, elle te dit que si tu n'as pas les épaules pour, comme si le mec, en fait, il va juste alimenter la meuf sans rien avoir en retour, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que tu lui apportes dans sa vie? Et généralement, elles n'ont pas la réponse. Elles vont te dire que tu es un homme princesse. Ah, et vous voyez, elle met l'accent sur le mot princesse. Parce que c'est à la mode aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas une réflexion de fond. Moi, qu'est-ce que j'apporte en tant que femme? C'est le vide. Erreur 404. Ça bug. Vous voyez? C'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Des meufs qui sont vides d'esprit, tu vois, qui n'ont rien à apporter à part leur corps, tu vois, parce que comme les mecs, des fois, la plupart du temps, réfléchissent avec leur phallus, tu vois, en tout cas pour les hommes faibles, et donc, elle s'octroie le droit de dire ce genre de choses. Mais comme maintenant, aujourd'hui, la nouvelle génération, donc la génération Z et celle qui arrive juste après, la génération Alpha, applique ce que j'appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire que si la meuf ne coopère pas, ils arrêtent, ils lâchent le dossier, tu vois. Ils avalent plus la pilule, comme nous les millénials. Nous les millénials, on a été biberonnés par les pick-up artistes. Donc nous, fournir des efforts avec une certaine abnégation, c'est tout à fait normal. Mais après, en grandissant, tu vois, en fait, tu te formes sur le terrain, tu vois. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui ont accès à l'information, tu vois. Donc les meufs qui essayent de former les autres meufs à devenir des michtos, bah nous on est là pour faire le contrepoids. Les red pill, les masculinistes, les hommes qui font du développement personnel, forcément bah tous les jeunes qui ont accès à ces canaux d'information, ils ne se font plus avoir comme nous les millénials à une époque, tu vois. Mais au moins nous on s'est formé et puis tu apprends avec le temps. Et c'est ça qui pose problème aux femmes de la nouvelle génération. C'est parce qu'elles n'ont pas la main mise sur les hommes qu'elles désirent. Et comme la nouvelle génération, elle est éveillée, donc toutes les femmes qui sont dans ce genre de registre, bah, ça leur casse la tête. Ça leur casse la tête. Bah ouais. Vous voyez un peu. Donc, c'est à peu près toujours les mêmes choses, quoi. Tout le temps. Elle va rien dire d'intéressant, je le sais, mais bon, continuons. Je parle avec un mec, je lui dis direct que voilà, s'il accepte, s'il accepte, je lui dis mes règles de base. Je lui dis que ça passe pas, le manque de respect, ça passe pas, si ça passe pas, si tu penses ne pas pouvoir m'offrir la vie que je veux, laisse tomber parce que je me considère vraiment trop. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, pourquoi je veux dire? Moi, ce qui me sidère et ce qui me fascine par-dessus tout, c'est qu'elle dit que moi, je m'estime trop. Tu vois? Comme si la personne en face ne s'estimait pas. Genre, moi, j'aime le luxe, mais les gens en général n'aiment pas les belles choses. Il n'y a que moi qui aime les belles choses. Que moi, parce que je suis the queen. Vous voyez un peu comment ces meufs sont déconnectées de la réalité? Pour que ton discours soit audible et intelligible, il faut que tu te bases sur une certaine réalité. Sinon, tu parles pour parler, en fait. Tu vois? Tu déblatères des banalités, c'est tout, mais en fait, tu ne t'appuies pas
sur une certaine forme de réalité. Tu vois, quand tu veux prodiguer des conseils à la gente féminine, il faut que tu te bases sur une certaine réalité. Sinon, en fait, tu fais que balancer des inepties juste pour réconforter un peu l'ego de ces femmes qui sont souvent qui ont souvent des relations chaotiques, tu vois, et qui ont besoin de TikTok comme exutoire pour déverser un petit peu leur frustration. Tu vois un peu? C'est pas, en fait, le truc, c'est que quand tu dis que j'aime le luxe alors que toi-même tu n'es pas capable de te les payer, il y a un problème. Si tu attends seulement qu'un homme puisse subvenir à tes besoins primaires, alors que toi, en contrepartie, tu ne lui apportes rien, il y a un problème. Ça veut dire que tu manques de maturité, de sagesse et que tu as été mal éduqué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vous ne pouvez pas seulement prendre le bon côté du modèle traditionnel et puis mettre de côté, hein, balayer d'un revers de la main ce qui ne vous arrange pas. Parce qu'on vous connaît, c'est que vous utilisez la religion quand ça vous arrange. Oui, un homme doit subvenir aux besoins de sa famille. Mais oui, mais une femme aussi doit subvenir aux besoins de sa famille et doit honorer et respecter son mari. Eh ouais, parce que quand on va vous dire que le kilométrage, c'est comment, hein, et que qu'est-ce que tu sais faire, hein, quelles sont tes qualités intrinsèques, qu'est-ce que tu sais faire de tes mains, tu sais t'occuper, tu sais gérer une maison, tu sais faire à manger, ton kilométrage, c'est comment? Là, vous allez nous sortir vos gros yeux. Et quand elle te dit, quand Dieu dit que oui, occupe-toi, il faut qu'un homme s'occupe de sa famille, il dit de sa femme, pas sa copine là. Tu vois ce que je veux dire? Sa femme. Et quand il parle de besoins primaires, il ne parle pas des sacs Chanel ou des sacs Louis Vuitton ou je sais pas quelle connerie, tu vois. Besoins primaires, manger, tu vois, se vêtir, subvenir aux besoins des enfants, pas d'offrir des sacs à 10 000 euros, non. Donc ne tournez pas les choses comme ça vous arrange, hein. Non, ça marche pas comme ça. Hein, parce que quand maintenant on va dire ce que la femme doit faire dans son foyer, vous allez commencer à dire que non, je suis un réactionnaire. Hein. Mais par contre, vous voulez garder le modèle traditionnel, ce qui vous arrange, c'est-à-dire les cadeaux, le fait qu'un homme paye les factures, le fait que l'homme vous paye des vacances, des trucs comme ça. Là, par contre, vous êtes bien contente. Mais quand il s'agit maintenant de vous occuper de votre mari, de lui faire à manger, de s'occuper de la maison, là, vous commencez à dire que non, je suis une meuf émancipée, je suis une femme libre. Il faut savoir, quand tu adoptes, tu vois, quand tu optes pour un modèle traditionnel, tu vois ce que je veux dire, il faut assumer tout. Il faut pas seulement rusher ce qui t'arrange pas. Sinon, c'est trop facile. Ça, c'est de la malhonnêteté. Voilà. Donc, on connaît ce discours, c'est toujours la même rhétorique. Voilà. On veut les avantages sans les inconvénients. Faut arrêter de croire que vous êtes une race supérieure. Tu vas bosser comme tout le monde, ok? Tu vas lever ton petit cul ou ton gros cul et puis tu vas aller trimer pour gagner ton pain. Comme tout le monde. Tu n'es personne. Eh ouais. Tu n'es personne. Arrête de croire que tu es issu d'une famille riche, comme si tu es issu d'une famille d'aristocrates. Va bosser! T'es folle quoi? N'importe quoi. Posez vos règles de base. De base, je veux, moi j'aime le luxe, moi j'aime qu'on m'offre ceci, moi je suis une petite princesse et j'aime vraiment me faire traiter comme une princesse, on est bien d'accord. Mais si toi, je sais pas, t'es en couple avec lui, ça fait aller presque un an, voire deux ans, et que d'un coup tu lui dis, ouais, moi j'aime ceci, j'aime ça, pas forcément le mec qui va pas te comprendre, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle m'a jamais dit ça, tu m'as jamais dit ça au début de relation. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Forcément, il y en a, ils vont mal réagir. Parce que quand vous sortez avec des ploucs, on vous dire encore, oui, ouais, mais moi j'aime l'âme. Voilà, moi je reste avec un mec pour l'âme, pour son fond, d'accord, ouais, super. Écoute, super, parce que déjà vous donnez votre dignité, vous donnez votre âme, vous donnez toute votre vie pour ce mec littéralement, faire comme vous êtes. Ça, c'est vraiment un truc que je comprendrai jamais, que je n'arriverai jamais à comprendre. Écoutez, tant mieux pour vous, hein, si vous aimez ce genre d'homme. Ça en fera beaucoup plus pour vous et moins pour vous, du coup. Ouais, mais moi perso, je suis indépendante, j'ai pas besoin qu'un homme me paye tout ça. D'accord, ma chérie. D'accord, mais tu sais quoi? Je te laisse aller 2-3 ans max et tu reviens me dire ce que tu penses, d'accord? C'est pareil pour un mec qui a de l'argent. Je veux dire, si t'es juste là à cause de ses biens matériels, quand vous allez passer une épreuve difficile, votre couple ne va pas être suffisamment solide pour passer cette épreuve. Donc, vous allez vous séparer parce que tu t'es mise avec lui pour les mauvaises raisons. Parce qu'en fait, vous avez une relation transactionnelle, c'est-à-dire qu'il te rince de cadeaux et toi, tu le complimentes de manière parcimonieuse en disant que c'est un homme capable alors qu'en vrai, de vrai, tu ne l'aimes pas. C'est ça la vérité. L'amour passionnel, ce n'est pas quelque chose qui dure très longtemps. Hein. Après, il faut l'entretenir. Tu vois, il faut communiquer. Il faut passer certaines épreuves, il faut prendre en maturité, en sagesse, tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir une certaine loyauté. L'amour qu'on vous vend là, dans les films, tu vois, vous avez souvent une image un peu onirique des choses. Ça n'existe pas. Hein.
Ça, c'est dû à des constructions sociales. Les réseaux sociaux, là où vous voyez des gens qui voyagent, on dirait que le couple, mon gars, c'est un couple parfait. Tout ça, c'est du vent. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une relation, c'est de l'entretien. Ouais, c'est comme ça. Donc toi, du haut de tes, je sais même pas à quel âge, tu penses connaître la vie, en fait, tu ne connais rien du tout. Tu parles pour parler, parce que même tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, tu t'en mêles les pinceaux, on sait même pas, tu n'arrives même pas à développer une idée, tu vois. Franchement, on sait même pas ce que tu veux raconter. C'est genre, en fait, bon, t'es une petite michto, tu reprends un peu, vous voyez tous ces préceptes de vie qui sont pour la plupart fallacieux. En fait, elle fait que ressortir ce qu'elle a entendu. Mais il y a rien, il y a pas d'idée de fond. C'est pas nuancé, c'est bon voilà, elle pense que la vie en fait c'est comme ça, un mec il doit rincer, moi je m'assois comme ça, je croise les jambes et puis j'attends mon sponsor, tu vois? Voilà, c'est tout. Mais non, la preuve elle est seule. C'est toujours les meufs en fait qui essaient toujours faire toujours plus royaliste que le roi, tu vois? Souvent c'est les meufs très moyennes qui en font des caisses toujours, la plupart du temps, toujours. En tout cas, moi, ma meuf, elle doit toujours avoir ses ongles de fée, elle doit toujours avoir ceci, c'est ça. Donne-lui l'argent, elle va tout faire. T'inquiète pas, si tu donnes de l'argent à ta meuf, elle va tout faire, de A à Z. Mais si t'es là, t'es une petite mère, tu poses tes exigences, tu prends pour qui? T'es un ploucasse. Elle a, malheureusement, mal. Toi, t'as des exigences, mais le mec ne doit pas être exigeant. Ah, je vous ai dit, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Malheureusement pour elle, le malheur de te donner de son air. Et toi, tu oses poser, mais tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? C'est ce sujet. Oh, depuis, je vous parle que de ça, les filles, lâchez vos poucs. Vous allez avoir aucun intérêt avec les filles. Moi, je vous dis. Ouais, mais vous regardez des réels de meufs de Dubaï, je vous dis, ouais, on mérite toute cette vie. Bah, ma chérie, si tu t'en donnes pas les moyens, j'ai envie de vous dire, j'en parle bien loin. Bon, les meufs, dites-moi ce que vous en pensez. Et les frères, hein, on se sait, hein, ce genre de meuf, un red flag, hein, ça ne sert absolument à rien de se prendre la tête avec ce type de meuf. Tu vois, on la laisse dans son déni, dans son rêve. Et puis, elle nous dira dans 15 ans ce qu'il en est. Hein, voilà, c'est tout simplement. Likez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.